Nous allons augmenter le personnel américain, les soldats ou les forces spéciales de l'armée de l'air, qui vont continuer à faire des rotations dans nos pays alliés, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Nous allons renforcer nos partenariats avec des amis comme l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie pour qu'elles renforcent leur propre défense. J'ai fait la demande au Congrès pour qu'il approuve la somme d'$1 milliard pour financer cet effort, ce qui sera une démonstration de force de l'engagement des États-Unis envers nos alliés de l'OTAN. Nous sommes d'accord que toute provocation russe aura un coût pour la Russie avec, si nécessaire, de nouvelles sanctions.